Ok, voilà, on va chercher le commissariat comme sur la photo. C'est marqué sur la façade. On sait pas où il est, hein. On se méfie, on sait pas s'il y a des hostiles. Allez, on est parti, hein. Quoi suivre? Méfiance avec les civils, hein, pointez pas vos armes. Un grand monde qui dort à minuit ici. Hein. Ils font rien de la journée, il fait trop chaud. Attention, Tango qui remonte la rue. Ok, visuel. On approche. On évite de traiter. Hein. Hey, là. Oh, apparemment, on a un poste de com. Au-dessus là. Ouais, à l'est. Je sais pas ce qu'il y avait. Oh non, en plein nord-est là, je sais pas s'il y a pas quelqu'un au-dessus. Au nord-est, j'ai vu passer un civil. Écoute, on va remonter la rue, peut-être vers le poste de com, je sais pas. Contact. Sur route. Ouais, contact, ça s'approche. Ah, repart. Ok, on va se planquer. Voilà. Et on reprend. Direction nord-est. Deux tangos dans la rue là. Qui ont rejoint dans le bâtiment. Je repère un petit groupe d'ennemis. J'ai plus de visuel. Ah si, il remonte la rue, il remonte la rue. J'en ai vu un par la fenêtre. Ouais, okay. Sur ta droite, Z. On approche. Dans le bâtiment, on se planque. Tango en approche sud-est, il va rentrer. Si ça. Ils viennent vers le nous. Le voilà, il rentre dans le bâtiment. J'aperçois un petit groupe de cibles. Putain. Je vais me mettre sur le toit. Ok, on peut sortir. Je me mets sur le toit, je vous couvre. Ouais, ça marche. Ok. Dès que t'es en position, tu me dis. Tiens. C'est raté pour l'arrivée silencieuse. Ouais, enfin bon, pour l'instant c'est pas fait détecter. Ouais, ok, visuel sur le poste de com. Ok, en position. Ok. J'ai un tango dans la rue qui passe, qui va arriver au carrefour. En visuel. Ok, j'ai visuel sur lui. On reste. Ouais, visuel. Et comme traite-le. Si tu peux le traiter, traite-le. 4. C'est parti. Traité. Hélicoptère, et où? Oh, ok. Au-dessus de nous.
Il repart vers le nord. Ok, on reprend. Tu peux nous supprimer les lampes là ou pas? Je m'y attaque. On va noircir le chemin là. Celle qui est juste devant nous. Merci. Quel. Toujours un hélicoptère sur le toit du bâtiment en face. Contact. Nord-est sur la. Ça arrive sur la route. Waouh 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 waouh. Ouais, élimine le 4. Ennemi à terre. Adieu, ça le traverse. C'est un civil. Sur. Civil sur carrefour. Attention. Oh, il y a des ouvertures de tous les côtés. J'ai des contacts sur votre. Entre votre 105 et votre 120. Ok. Plutôt sur votre. Derrière le bâtiment là. Derrière le bâtiment. Ouais, derrière le bâtiment, mais c'est très proche de la route, donc vous avez une petite marge de manœuvre. Ok, bien. C'est probablement en avant, un poste sur la route. RAS, bâtiment client. Il y a une lampe nord-nord-est. Tu peux l'éliminer celle-ci. Ok. Dans la rue. On va recentrer sur T-Max, il est parti au nord. Non. C'est traité. Merci. T'engouffre à l'arrière. Je repère un petit groupe d'ennemis. Sud-est. Ah ben, voilà le commissariat. Ouh. Hein? Ah ouais, putain, je suis devant, je le vois pas, con. Oh. J'allais continuer là-bas, c'est pour ça que je lui demandais d'éteindre. On l'a vite trouvé, tu couvres, t'es en mesure de couvrir 4. Ouais. Mais concernant, j'ai visuel sur toute la rue qui est devant, j'ai pas de visuel à l'arrière du bâtiment. Ok, je vais rentrer. Concernant l'intérieur, j'ai deux fenêtres qui donnent sur des couloirs. Rien d'intéressant. Tu peux venir avec moi, deux. J'ai un contact sur votre nord-est. En droite. Très éloigné, il vient pas vers vous. Il s'éloigne. Et il est passé derrière la maison de briques là. Ouais. Retour visuel. Tu as des armoires. Il s'approche, faites gaffe. Et. Visuel perdu. Il monte. Ok, j'ai visuel. Visuel perdu. Ah, il vient de passer à l'angle. Ok, j'ai trouvé le dossier. Hein. On va ressortir. Mais après. Fais chier toutes ces lumières là. Attention en sortant parce que lui là où il est monté, il va redescendre par le même endroit. Vous okay, sortez tu pas. Me dis qu'on peut sortir. Pour moi, je le vois pas, il est pas au coin de la maison. Ok, c'est clair. Allez, vous pouvez sortir. Allez-y. Je vous couvre là. Ok, on retourne à l'embarcation. Reçu. Problème micro, Zewin. Qu'il y avait autant de monde que ça là tout de suite en rentrant dans le village. Ok, Kat, on a sur la couverture, tu peux descendre. J'arrive.
suis en bas. Ok, hein, tu reprends vers l'embarcation. Ok, reçu. Qui apparemment la cible est dans une base avancée environ 2 km de la position. On y va par quel moyen? Fluvial? Fluvial, ouais. Ok. Normalement il sera facilement reconnaissable, c'est un gradé. Hein. D'accord. On va prendre le bateau qui est couvert, on sera moins visible. Je conduis. Je remonte en amont. En amont, tu remontes jusqu'à la base avancée Armadillo. Ok, reste. Ouais. Ça peut être bien là à gauche. Ouais, si c'est pas mal. Ouais. Ouais, bon, on peut essayer de le planquer dans les observes. C'est qu'on nettoie la partie arrière, c'est-à-dire la base navale. Après, je pense que 4 pourra se mettre en position sur le bâtiment principal, juste en face de nous. Ok. Et à partir de là, on pourra jeter ce qui se passe dans la base et essayer de localiser le commandant. Ok, d'accord. Allez, en progression. Je compte au moins 2 tours de guide là où je suis. Ça fait au moins 2 snipers. J'aperçois un petit groupe de cibles. Ok, je vois terre. Dites-y, tu es en mesure de traiter celui qui est en face de nous, là, au 330. Le sniper. Ouais. Si tu le sens pas, tu nous le dis, on attend, on monte sur le toit, on peut passer sur la partie arrière de la base. Hein. 340 mètres. C'est faisable. Mais risqué. Je devrais pouvoir le faire sans, avec une marge de manœuvre, avec une marge d'erreur. Sinon, ce qu'on fait, on va clear le bâtiment qui est en face de nous là. Et il se perche là-haut. Ouais, et il se perche là-haut, c'est ce qu'il y a de mieux. Ouais, à mon avis, okay. Oui. On va sur le 345. Éventuellement, okay, si, je suis au niveau de l'eau, je peux peut-être essayer de réaliser mon tir d'ici. Tu peux aussi nous couvrir, ouais. Bonne idée. Hein. On peut essayer. On va reprendre. Je reste au niveau des rochers le temps que vous avanciez. Ok, je couvre 4, tu peux... On arrive à 5. Ok, j'ai repéré un deuxième sniper sur une tour nord-ouest. Ok, bien pris. Avancez pas trop. Ouais. Enfin... Deux à un, est-ce que vous me recevez? Ok, je suis derrière toi. T'en penses quoi d'ici? Je répète, 2 à 1, est-ce que vous me recevez? Ah. Reçu fort et clair. Ok, reçu. Reçu fort et clair. Reçu. Haché, ouais. 250 mètres, c'est bien plus simple.
Okay, je pars si pas d'être fort. Mais bouge là en mouvement. Ouais, ouais, ouais. Écoute, on va en visuel perdu. On va dans les bâtiments. Tu prendras position sur le toit, c'est ce qu'il y a de mieux. On est d'accord. Ok, reprise 1. Ok, reçu. Ok, je vais courir. Tu traverses, je te cours, tu vas direct sur la cour, en face là. Bien pris. Plein nord. Vas-y, traverse plein nord. Civil dans le bâtiment de droite. Un visuel. Deux, c'est bon pour toi là-bas ? Afi. Gros problème. Comme pour deux. Ouais. Tango dans la cour. Tango dans la cour, vous l'avez vu ? Non, pas de visuel. 330 derrière les... Et allez, juste derrière les conteneurs. Il vient s'accroupir. Ok, je vais essayer de le contourner. Hein. Il est reparti. Il repart. RAS de mon côté. Je traverse. Alors voilà. Ok, il est accroupi. Je vais derrière lui. Ok, j'ai une neutre. Oui. Je vais vérifier le baraque, la baraque. Ouais. C'est deux, clair à l'intérieur. Deux, on vérifie le bâtiment qui est à notre gauche. Bien pris. La hangar métallique près de la... sur l'est. Ouais, le bâtiment. Est, je te vérifie en passant. Ouais. Je couvre au niveau de la cour. Hein. Là, il y a une sortie derrière, R2. T'es fait gaffe en montant les niveaux. Hein. T'as fouillé le bâtiment avec les numéros ? Le 1, ouais, j'ai eu la vue sur tout le bâtiment à l'intérieur. Ils sont pas séparés. Vas-y, passe 2. Bien pris. Quoi la distance ? 160 cm. RAS, hein. Personne au premier. Je mets un micro. On a un objectif. Carburant, ok. Deux, tu peux en prendre un escalier. Bien pris. On progresse, deuxième étage. Bien pris. Toujours personne à l'extérieur, c'est clair. Deux, tu prends l'escalier, je te couvre. On sait qu'il y en a des vedettes rapides au cas où pour s'extraire. Ça pourrait être une bonne idée de les piéger. Ouais, il peut les charger, ouais. RAS. C'est bon, on a un second balisage à faire là. Deuxième étage, RAS. Prenez possession du toit dès possible. Ouais. Je commence à les rejoindre. Ça marche. Je piège les vedettes. Hein. Attention, il n'y a rien qui nous couvre de.
On a juste la balustrade pour nous couvrir là. Sniper, plein ouest, avec jumelles. Deux snipers, nord-ouest. Un nord-ouest, un ouest. J'ai fait le tour du site, y'a personne. Bon, y'a personne. Le toit est propre. Ok, je monte aussi. Et 4, tu changeras tes semelles, je trouve qu'elles sont dures, elles font du oui. Hein. Faudra prendre plus tendre. Hein. Tu devrais changer de casque, il est trop rapide pour toi. On a un sniper sur notre 2. J'ai celui-là, j'en ai marre au nord-ouest, dans la tour. Ouais, tu peux faire le. Dans le mirador. J'envoie un cinquième. Ah, sur celui en ouest. Il y en a un ou deux. Ouais, plein ouest. 70 mètres pour celui. Droite. Environ 200, peut-être même plus pour celui au centre. Celui de gauche, 200 mètres. Ok. Ils sont tous pour toi. Hein. J'engage de droite à gauche. Bien pris. Attends, pousse-toi s'il te plaît. J'entends un cible abattue. Leader. J'ai pas de. J'ai celui du centre. Ok, j'ai celui du centre. C'est bon. J'ai eu. Ok. Traité. Attention, l'autre il regarde. Ah, ça y est, il a tourné. Ok. Traité. Les trois sont traités. Ok, on va voir ce qui se passe en contrebas. Oh, problème à chef là. Très mal son ça comme à mon avis on a encore refilé j'ai le capitaine de l'Unida dans visuel dose de merde j'ai quel ok elle a repéré le capitaine au téléphone ouais. Bon il faut qu'on l'interroge hein. C'est pas on n'est pas là pour l'éliminer hein. J'ai pas de situation sur lui moi nord-ouest il est à notre 285 sur le toit terrasse au téléphone environ 160 mètres ah visuel qui okay, on va se trouver un point de passage j'ai repéré le générateur à droite entre 300 et nord-ouest il y a un tango en visuel il y a un tango en bas là visuel sur le générateur c'est numéro 5. Il y a un tango 255 en face de la deuxième toile. Il fait des pompes. J'ai un tango dans le hangar. Voilà. Pareil, je le tirais. Non, il repart. Non, il est sur les trucs dans le. Il y a un tango dans le hangar en train de travailler. Alors, une entrée. Tac. Il y en a en patrouille. Au niveau des tentes. C'est lui qui fait des pompes. Disons que côté sud-est, sud-ouest, c'est un peu chaud, il y a du monde. Hein. Avec toutes ces tentes, là, c'est compliqué. On fait le tour tranquille. Je pense qu'il faudrait plus partir par le nord. Hein. Ouais. Contact plein ouest. Juste au pied de la tour, dans un petit bunker. Ouais, sur la visuel, gauche. Ouais, je l'ai vu. Ouais. À 200 mètres environ. Plein ouest. Dans l'alignement. Ouais. 240. Si c'est symétrique, tu m'as peut-être aussi à droite.
qu'on va faire, c'est que toi, Kat, tu vas rester à nous couvrir. Nous, on va contourner et on va passer par le nord. Ok, reçu. 1. 4, reçu. Il y a un bunker sur, sur le sud-ouest. Faites attention. C'est pris. Sur notre sud-ouest, pardon. Putain, là, il y a une belle photo à faire, là. Tu vas voir, ça. Avec le soleil, là. Pas mal. Puis on fait gaffe à la sortie, normalement il y a personne sur l'arrière. On sort, go. Ok, merde, c'est la base de l'Unidad. On cherche le capitaine qui traite avec Yuri et Polito. Hélicoptère, il nous faut la cible vivante. Bien sûr. Ok. Et passe par les rochers, hein. Grimper là, non? Parce qu'on n'a pas le choix, il faut qu'on passe par là. Je sais pas si ça peut vous intéresser, j'ai un visuel sur une porte au pied de la tour de garde de droite, côté nord. Côté nord? Ok. Pour le moment, on voit pas de brèche. Moi, je en manque un. Sur l'autre flanc. Ah, ok. C'est ça que tu poses. Je couvre le flanc. On a une route. Ok, j'ai visuel sur l'entrée. Ok, mouvement là. Ok. Et j'ai pas de mouvement, mais s'il y en a, regardez sur votre ouest. Ça marche, je trouve. Ok, vous pouvez rentrer. C'est bon. Et je suis. Oh, il y a beaucoup d'espace découvert là. Merci. Après ici, il faut partir vers le sud-est. Deux, tu traverses derrière le camion. Je te couvre. Bien pris. Tango. Je repère un petit 285 azimut. Ok, on a des tangos sur l'entrée. Et un. Au moins un tango dans le poste de garde. Ok, visuel sur lui. Ok, je sais pas s'il y en a en face. Hein. On va le laisser tranquille pour le moment. Attention, il y a des échos. Je sais pas où. J'ai un contact dans le hangar.
dans le fond du hangar. Au niveau du hangar, mais... Il y a pas mal de contacts, pas mal de civils. Longer le hangar. Ouais, ok, on longe le hangar. Générateur désactivé. Ah, nickel. Ok, on a une ouverture là sur le bâtiment principal où il y a la cible. Tango plein sud, ok. Juste devant nous, au 255. Hein. Reçu. Il y a des baraques. On a des baraques du côté, apparemment c'est verrouillé. Bien des visuels sur le gars au hangar. Faites attention. Ok, bien pris. Plusieurs civils sur zone. Au niveau du couverte. Ok, restez en place, je vais déborder, je vais me rejoindre la tour qui est juste en face de nous à l'ouest. Ouais, 3, tu peux traverser et te mettre derrière les sacs de sable. Ouais. À gauche, c'est bon. Ok, retourne en visuel sur Tango, oh, il est vers les portes du fond. Visuel sur Tango. Non, visuel dans le hangar, sur le hangar. Je vais me planquer. Okay. Je vais me planquer. Il doit regarder vers moi. Il a l'air de s'agiter, je sais pas s'il m'a vu ou pas. Il m'a peut-être entreaperçu. Ok, il est toujours dans le hangar, mais il est collé à la porte. Hein. 4, t'as moyen de le neutraliser. Il se met en mouvement. Ok, c'est bon, s'il bouge... Hein. Ok, on laisse tomber. Il est à l'arrêt, je peux le neutraliser, mais j'ai pas de visuel sur 20% du hangar. On laisse tomber. Visuel perdu. Ok, l'arrière du bâtiment est clear. Hein. Vous pouvez traverser. 1 et 2. Reçu. Waouh, il est dedans. Je l'ai vu. J'aperçois un petit groupe de cibles. Tango au pied de la tour. Rez-de-chaussée est clear. Vous pouvez rentrer. Tango au pied de la tour. Tango de rentre. Je couvre. Ok, je rentre. Je le crois. Je confirme la position. Il est tout noir, il a pas bougé. Ok. Il est bien pris. On va le choper. Pas de visuel en escalier. Il a l'air de regarder sud. Vous devriez pouvoir l'avoir facilement dans le dos. Il faut quelqu'un plus près de toi là-bas. Pour t'épauler. Ouais, j'attends, je le vois. J'ai 2 derrière moi. 2, tu épaules. 3. C'est quoi ce bordel? Bon, comment ça va, du con? Je l'amène dans le bâtiment. Vous allez crever. Ok, on va l'interroger. Merde! Je vous dirais que dalle plutôt que crever. C'est toi qui vois. Mais avec des fous furieux comme Yuri et Polito, c'est toi qui risques de finir pendu par les baloches à leur plafond. Ils attendent que ça, crois-moi. Ça te soulagerait de plus les avoir sur le dos. Écoutez, je suis pas une balance, mais j'avoue, ils me foutent les jetons. Le truc, c'est qu'ils sont même pas à Itaquois. Alors fais-les venir à Itaquois. Dis-leur que t'as un colis pour eux. Oyez, Polito. J'ai un mouton pour l'abattoir. Ok, d'accord. Ok. C'est bon, je l'ai assommé. Ok, on descend. C'est bon. Allez-y, passez. On ressort par là où on est rentré, aussi discrètement qu'on est vu. Je surveille. J'ai visuel sur celui du hangar, il fait façade est, côté est du hangar. Côté est, face est. Vous devriez, si vous dépêchez, vous devriez pouvoir passer. Il se dirige sur le côté nord du
du bâtiment. Okay. Non, pardon, côté sud. Côté sud du bâtiment, je confonds. J'ai plus de visuel. Ok, on va allonger l'hangar. Je vois pas à l'entrée. Hein. Je suis passé. Ah, il sort par l'autre porte avec une caisse. Ok, il est sorti là. Ah, ouais, il est sorti. Pas de visuel. Live. Attention, il va. Ok. Il va déborder du bâtiment. J'ai visuel, je peux traiter bien. Sûr, moi, okay, en deux secondes là. Vas-y, traite. C'est bon, ça aide. Waouh. Ok, tu récupères le corps, hein. On est pas dans Breakpoint. Ah merde. Non, on est pas dans Breakpoint, j'étais en train de. Non. Je veux dire, mais tu fais. Tu fais comment? Tu fais comment, okay, con? On le laisse, hein. Allez hop. Il est le lecteur, mais c'est le. La communication, con. J'ai pas de mouvement dans la base. Il y en a un, sud. Qui est en train de passer entre le hangar où on est et puis les autres bâtiments. Quand j'ai traversé, je l'ai vu. T'en fais pas, j'ai visuel. Pour le moment, ça déborde pas au sud. J'ai un deuxième tank ouvert de poche dans le système de communication. Si. Il sort. Qui en a. Toujours un qui garde le poste de garde, il me regarde pas. C'est bon, je l'ai en visu. Ok, on a la sortie. Ok, on a des prisonniers là, rebelles, mais bon, si on les libère, ils vont foutre le bord. Bordel. C'est ça. Ok, 4, tu peux amorcer, nous recoller au niveau de la porte. Hein. On évacue par quel côté? On évacue. Ah oui. On doit monter sur la montagne. On évacue au côté nord-ouest. Echo est au sud-ouest, éventuellement je peux contourner par le sud. Si c'est plus simple pour toi. Toi, ça fait plus de risque. Ça fait plus court. Et si je reviens suffisamment loin, je peux vous rejoindre directement sur le site. On s'attend au sentier là, j'ai marqué sur. Tu as vu sur la carte. Ouais, j'ai vu visuel. Ah si. Ok. Je vous rejoins là-bas. Ok, un. T'amorces. Ok, c'est par contre, contourne large, on passe par la flotte pour éviter le poste de garde. Ok, reçu. Ça a l'air clair. Attention. Attends. C'est clair. Le bâtiment est clair. Ok, on va pouvoir camper ici la nuit, ça a l'air calme.